Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo où on jouait à Où est Charlie en vrai avec Amixem. Je voulais un peu revenir sur cet événement parce que de 1, c'était une super aventure humaine avec plus de 150 étudiants déguisés. Et de 2, j'ai dû payer les déguisements, ça m'a coûté super cher, donc j'essaye de rentabiliser au mieux avec la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Faut pas m'en vouloir. Donc ce matin-là, je suis parti très tôt à la gare pour aller à Dijon. Il est 6h30 du matin. Parfois, il y a des bonnes idées de vidéos. Mais quand on se rend compte qu'il faut vraiment les faire, on n'a pas envie. Pour expliquer, on est à Dijon, on est arrivé, je suis avec Augustin qui est venu avec moi et il y a Arthur qui est étudiant à la BSB maintenant on appelle ouais, ça BSB, ouais. C'est l'école de commerce de Dijon avec Marc et c'est eux qui ont aidé à organiser l'événement. Il y a un monsieur qui nous regarde derrière. Bonjour monsieur. C'est un grand angle, salut Mix, j'aime beaucoup le ouais. Mix. Il était bizarre ce monsieur. Augustin c'est aussi lui qui a aidé à toute logistique, c'est même Augustin qui a eu l'idée de la vidéo. Donc c'est à cause de toi qu'on s'est levé à 6h et c'est à cause de toi qu'on a acheté 150 costumes. On va voir les costumes, on va voir l'école. Ouais. Donc vous avez un zoom c'est un... Au revoir, monsieur. Très bizarre. Première étape, on allait repérer les lieux pour être sûr de bien voir tous les Charlie qui seront installés dans la rue. Donc on va être sur ce balcon, très beau balcon. Il y a beaucoup de monde qui passe. Ah, il y a la police. Ensuite, je suis retourné à mon ancienne école pour voir les étudiants. Il est déjà dans le thème. Tu participes à la vidéo? Non, désolé. Ah, dommage. Ok, je viens d'arriver à Dijon, je suis dans votre école. Rendez-vous à 12h20 quand vous sortez des cours dans la cour. Ok. Vérifier la qualité des costumes. Ça, c'est les Wenda. Ah, c'est les... Ils sont complets. Ça meuf, ça. Ouais. C'est pas mal la meuf. Et retomber sur ma photo de promo. Pas de commentaire là-dessus, d'accord? Et ça c'est Guillaume que vous connaissez peut-être. Là-dessus vous pouvez faire des vannes, c'est bon. Sur le chemin pour aller chercher Amixem à la gare, j'ai eu un petit moment de doute, j'avoue. Il y a plein de facteurs qui font que cette vidéo peut échouer. S'il n'y a pas assez d'étudiants qui décident de venir finalement, s'il y a des autorités qui arrivent sur la place et qui nous disent de dégager, s'il se met à pleuvoir, j'en sais rien. Il y a plus de chances que ça foire que ça réussisse. Mais on verra. Arrivé à la gare, Amixem était là avec un style bien à lui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'a jamais trop montré en vidéo sa trottinette. J'ai jamais fait de vidéo dessus parce que c'est pas sponsor. Quoi? Du coup, ça m'intéresse pas. C'est quoi tes différentes positions? Il y a le parisien. Donc la position parisienne c'est pieds joints. Ah oui ils font ça à Paris j'ai vu. Il y a la position skate. Il y a la position plus de 50 ans. Avec pieds sur le frein en permanence. Ça va? Ça va bien. Je suis abonné, on pourrait faire une photo. Allez, tu peux prendre normal. Une photo quoi. C'est son cadre. Ouais. Pierre Cross c'est ça? Ouais mais là je cadre dans cette vidéo. Parce que j'ai vu où tu piégeais justement pour les voitures et tout. Ouais. Alors là, petite parenthèse, je dois vous expliquer la séquence suivante. Vous vous souvenez la semaine dernière, j'ai piégé Amixem, j'étais déguisé dans une voiture. Et quand il a voulu me virer de sa vidéo parce que le personnage que je jouais était pas très sympa, il y a eu quelques commentaires en dessous de ma vidéo qui disaient que Amixem avait l'air hautain dans la vie. Donc on a demandé. Et qu'est-ce que t'as pensé de mon attitude? C'est quoi comme tête? Ça c'est une Suzuki. Vous avez vu, le mec a totalement évité la réponse. Et nous, ça nous a plutôt surpris qu'il pense que Amixem soit hautain, parce que pour le connaître dans la vie, en dehors des caméras, il l'est pas du tout. Du coup, pour rigoler, quand on croisait des abonnés, il a voulu être super gentil. Comment je suis trop sympa en vrai? Je suis sympa ou pas? Je fais pas bisous, je fais pas bisous. Ah, c'est gentil, je pensais que t'étais plus grand. Ça fait bizarre de vous voir en vrai. J'ai regardé ta vidéo hier où tu étais bourré. Ah, avec qui tu veux que je refasse? Studio Bubble Tea. Okay. Qu'est-ce que vous faites à Dijon? Une vidéo. D'ailleurs, je suis super sympa comme youtubeur. Tes parents ils savent que c'est tu bon. Fumes. Bon, moi j'avoue je suis toujours un salaud par contre. Tu peux prendre une photo en speed? Ça me dérange pas comme je suis gentil. Je suis toujours quelqu'un de gentil quoi. La vidéo rattrapage tu sais. C'est vraiment comme quand tu vois des politiques au marché, quand c'est à la main des vieux, je suis vraiment très très gentil. Ensuite, on s'est installé au balcon, les Charlie sont arrivés, on a fait la vidéo que je vous remets en haut à droite parce que je dois vraiment la rentabiliser, s'il vous plaît. Et on a fini en remerciant la pharmacie qui nous a accueillis, c'est bien normal. Merci au cœur. Merci. Merci la pharmacie de la liberté. Les meilleures pharmacies de Dijon, pharmacie de la liberté. Les meilleures barres énergétiques, ils ont les meilleurs comptes d'ostéo. Voilà, je voulais encore une fois remercier la BSB, mon ancienne école de commerce, qui m'a toujours soutenu depuis que j'ai commencé à faire de la scène. Et même là, pour cette vidéo, ils ont été encore super. Et personnellement, je suis content de me dire qu'avant, j'allais dans cette école pour suivre des cours, et que maintenant, quand j'y retourne, c'est pour organiser des conneries géantes. Si un jour, il y a des gens parmi vous qui se retrouvent dans cette situation, vous verrez, le sentiment est plutôt agréable. Et je voulais finir avec une petite dédicace, et Augustin est juste derrière, faut pas qu'il entende. Je vous laisse là-dessus. Attends, il y avait un rayon capote, il est où? C'est quoi? Tu cherches? Non, non.